Protection.
Copyright protection.
Sur les stupéfiants,
et entre les mains de l'inspecteur usurpateur de la santé publique. Le droit de disposer de la douleur des hommes. C'est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun. Tous les bêlements de la charte officielle sont son pouvoir d'action contre ce fait de conscience, à savoir que, plus encore que la mort, je suis le maître de ma douleur. Toutes mes juges et juges exclusifs de la quantité de douleur physique ou encore de la vacuité mentale qu'il peut honnêtement supporter. Il y a une lucidité que nulle maladie ne m'enlèvera jamais. C'est celle qui me dicte le sentiment de ma vie physique. Et si j'ai perdu ma lucidité, la médecine n'a qu'une chose à faire, c'est me la rendre. Messieurs les dictateurs de l'école pharmaceutique de France, vous êtes des cuistres reniés. Il y a une chose que vous devriez mieux mesurer, c'est que l'opium, cette indescriptible et impérieuse substance, permet de rentrer dans la vie de leur âme, à ceux qui ont eu le malheur de l'avoir perdu. Et ce mal s'appelle l'angoisse, dans sa forme mentale, médicale, physiologique, logique, pharmaceutique, comme vous voudrez. L'angoisse qui fait les fous, l'angoisse qui fait les suicidés, l'angoisse qui fait les damnés. L'angoisse que la médecine ne connaît pas, l'angoisse que votre docteur n'entend pas, l'angoisse qui lèse la vie, l'angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie. Par votre loi inique, vous mettez entre les mains de gens en qui je n'ai aucune espèce de confiance. Médecine, pharmacie en fumier, juge en malfaçon. Le droit de disposer de ma douleur. Une douleur en moi aussi fine que les aiguilles de toutes les boussoles de l'enfer. Du corps ou de l'âme, il n'existe pas de sismographe humain qui permette à qui me regarde d'évaluer ma douleur. Toutes les sciences hasardeuses des hommes ne sont pas supérieures à la connaissance immédiate que je puisse avoir de mon être. Je suis seul juge de ce qui est en moi. Rentrez dans vos greniers médicaux punaises
Et toi aussi, monsieur le législateur boutonnier, ce n'est pas par amour des hommes que tu délires. C'est par tradition d'imbécilité. Ton ignorance de ce qu'est l'homme n'a d'égal que ta bêtise à le limiter.